Channel switched. Hop là. Channel switched. Salut. 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 Vous allez bien? Ça va, ça va. Ouais, ouais, on fait aller. On essaye de pas péter un boulon. Putain, je suis en train de regarder, ouais, tu récupéreras un des trois. Un des trois points de vie. Voilà. Bon alors, ça continue les parties, parce que vu que tu es interdit de YouTube. Ouais, je fais ça sur Twitch. Et tu mettras les rediffs après ou pas? Ben ouais, quand j'aurai la possibilité, parce que là je peux ouais. pas je peux pas j'ai ni le droit de modifier une vidéo, ni le droit de passer en live, ni de mettre en ligne une vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait quoi? Ben ben en fait, contrairement à Twitch qui est Amazon, qui teste passer de la musique en fait sans souci, et puis qu'après bon ils te strike, ça me dérange pas trop. Tandis que YouTube, ils ont des algorithmes en fait qui travaillent en même temps que tu fais du live, c'est-à-dire qu'ils recherchent tout quoi. Du coup, au bout d'un moment, au bout de 3 heures, ils finissent par tomber sur de la musique qui sont pas libres de droit. Et donc c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, ils te filent un avertissement quoi. D'accord, ok. Donc voilà, c'est deux avertissements. Le prochain, c'est le ban de la chaîne, quoi. Ah ouais, putain. C'est chaud. Ouais, ouais, mais ils sont super chiants, quoi. Parce que, tu vois, Twitch, ils s'en foutent. tu diffuses en direct de la musique. Voilà, ça les gêne pas. Ils font... Après, derrière, si tu veux, ils te coupent la musique où il y a eu sur... Si sur 3 heures, t'as eu, je sais pas, une heure de musique qui te coupe cette heure-là, quoi. Tandis que ouais. YouTube, eux, non, ils le font en même temps, quoi. Que tu, en fait, il y a toujours des algorithmes, il y a toujours des robots qui sont là pour regarder si tu passes de la musique ou pas, quoi. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Ah, je me doute que ça va être bien chiant. Bon, du coup, grave, je vais avoir le temps. Je garde les vidéos, puis je les mettrai après, de toute façon. Ouais, ouais. Bah, je vais avoir le temps de rattraper mon retard. J'ai regardé, je suis... J'ai un retard, je suis encore à... La séance que j'ai écoutée, c'était la séance 12. Ok. En fait, comme je n'écoute des podcasts et des parties que quand je suis au travail et que en ce moment je travaille moins, du coup j'ai beaucoup trop et qu'il y a beaucoup les gens postent beaucoup plus, j'ai beaucoup trop de podcasts à écouter. Ah bah pareil. Et c'est j'ai trop de trucs à écouter. En plus, je suis fatigué en ce moment. Là. Je sais pas ce qui m'arrive. Bah c'est ouais, après je pense que le problème, je pense qu'il y a un problème de rythme. Je pense que quand ça t'es plus en activité, pèse ouais. Que tu fais plus rien moi là je dors, je sais pas. Ah, moi ça va, j'ai repris le boulot, j'ai pas perdu le rythme, c'est bon. Je suis bien moi. Je dois dormir sans. Je suis fatigué, j'ai mal au dos, j'ai mal partout, mais ça va, je suis. Hein, j'ai dû compter, je dois dormir 14 heures. Oh, ah ouais, j'ai compté ça la dernière fois, je fais mais c'est pas possible quoi. Je suis fatigué, quand je me lève, je suis fatigué.
J'ai envie d'aller me coucher. Moi, je m'endors 14h, je me relève, je suis un zombie. Ah ouais. Ah ben, moi, je dors 5 ou 6 heures. Et encore, je me réveille parce que j'ai mal au dos. Mais même en journée, enfin si souvent au taf, en journée, il y a toujours un moment. Mais en fait, moi, en fait, souvent, j'ai un coup de barre, mais à partir aux alentours de 15h ou 16h. Ouais. J'ai un coup de barre à ce moment-là. Donc, j'évite de dormir parce que sinon, ouais, après, je suis vaseux tout le reste de la journée. J'aime pas ça du tout. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est le changement de rythme. Et puis, mine de rien, c'est aussi la situation ambiante qui, même si tu t'occupes tout ça, je pense qu'il y a c'est ça agit quand même en fond, tu vois. Ouais, il y a du stress, ouais. Ouais, carrément. Carrément. Et puis là, moi, en ce moment, là, hier soir, j'avais pas de partie, rien du tout. On s'est maté des épisodes, et puis arrivé à 23h, je me suis dit, bon, allez, pour une fois, je vais aller me coucher de bonne heure, enfin, de bonne heure, entre guillemets. Et puis, du coup, on a remis un épisode de plus. Ah bah là, j'en bouffe des séries, là, putain. J'ai regardé Tales from the Loop. Ouais, nous, on est à l'épisode 6. Ah, mais moi, j'ai pris une claque, hein. Alors, dis rien parce que je crois que Inelda, il l'a pas encore Non, mais je dirais regardé. rien, Ouais, je dirais rien. j'ai pas regardé, non. Je dirais Pas juste encore un regardé. truc, c'est que le dernier épisode, ça a été tourné par Jodie Foster. C'est elle qui a D'accord. Ah réalisé. ouais? Ouais. Et ouais, moi, j'ai pris une claque, hein. Les deux derniers épisodes, je m'en suis pas remis encore, hein. Bah ouais, moi c'est les deux qui me restent à regarder là. Ouais, ils sont, enfin, franchement, c'est excellent. Moi, j'adore. Mais à côté de ça, quand tu lis l'artbook et que tu lis le JDR, c'est pas que ça n'a rien à voir. C'est que si tu t'attends à avoir une série User joined your channel. comme l'offre qui est proposée dans le JDR, c'est pas du tout, Bonsoir. c'est pas ça. Salut. 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 Ouais, non, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais Mais ça reste très beau, ça reste. ah, ça reste, ouais, c'est magnifique. Enfin, les illustrations et tout, enfin, tu la retrouves bien dans la série, quoi. Bah puis les petites histoires dans l'artbook, tu les retrouves en filigrane de certains épisodes. Ouais. Vous parlez de Donc Tales from the Loop, je l'ai pas encore vu. Non, Ouais, c'est pour ça c'est. qu'on dit pas On dit grand-chose. rien, ouais. On dit rien. Mais ouais, bonne petite série. T'as tout maté? Non, il me reste les deux derniers. Il nous reste les deux derniers là. On verra ça. Il y aura ça certainement ce week-end. Parce que là, on a encore une partie demain soir et une partie samedi, donc ça va être un peu chaud. Puis après, je sais pas du tout ce qu'on va regarder. Je sais pas, faut que je me retrouve une petite série, un petit truc à mater, parce que là, on n'a plus rien. User joined your channel. Salut Isaya. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut. Bon Isaya, ça va? Ouais. Oh, le c'est
C'est la sieste de 19h. Oh purée, je me suis réveillé, ouais, il y a 7 minutes. Bah ça va, t'arrives à te réveiller? On m'a dit on mange. Alors j'ai fait ah oups, je joue. Et mais ouais, je dormais. Ouais, effectivement, tu t'es réveillé. Voilà. Enfin, on m'a réveillé, quoi. Voilà. Moi, j'ai engueulé. D'ailleurs, j'ai engueulé Ramsès, hein, parce qu'il m'avait pas réveillé. Ah, bah, peut-être que lui aussi, il était en train de. Il dormait à côté de moi. En même temps, les chats, qu'est-ce qu'ils passent leur temps à pioncer, donc. Tu peux pas compter sur. Ça, c'est clair. Ouais, je sais plus qui c'est qui disait l'autre jour que j'étais un chat. Je sais plus. C'était même pas à cause du sommeil, c'était à cause de la bouffe. Je me sais plus pourquoi. Tu manges du whiskas? Non, non, non. Ah bon? Voilà. Mais je t'aime non plus d'ailleurs, ça pue trop ce truc. Ah, c'est vrai que ça sent super fort. Mais moi j'avais un. Ouais, on leur donne des croûtes. Ouais, moi j'avais un grand-oncle. J'avais un grand-oncle qui mangeait de la pâté pour chat. Il mangeait pas plutôt du cornet de bif? Non, 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 il mangeait vraiment de la pâté pour chat. Parce que il n'y avait pas beaucoup de thunes et puis je sais plus, il y avait oh, un bah truc. Pourtant c'est cher. Ah oui, mais moi je te parle de ça, c'était quand je te dis que c'est mon grand-oncle, le mec il c'était dans les années fin des années 50. C'était la fin des années 50 qui mangeait ça. En fait, il nous avait raconté, il avait un jour il était rentré, il avait cherché, sa femme elle était pas là, parce que c'était le mec, il arrivait, il s'asseyait dans le fauteuil, les pieds sous la table, tu vois le genre, et sa femme était pas là, donc il a cherché partout pour se sortir un truc à manger, et il est tombé sur une boîte de conserve dans le placard, il l'a ouvert et il a commencé à manger en croyant que c'était du cornet de bif. Jusqu'à ce que sa femme rentre et qu'il se fasse engueuler parce qu'il avait mangé de la pâté pour chat. Et il y avait peut-être moins de saloperies dedans et ça ressemblait peut-être plus effectivement à du cornet de bif, tu vois. Ah oui, oui. Moi j'en ai mangé une fois dans ma vie du cornet de bif. Oui, ouais, j'avoue, même à l'heure actuelle j'en mange. Ah ouais, t'en trouves en France? Non, pas de la pâté pour chat, Belette, du cornet de bif. non, non, ça se trouve encore. Ça se trouve encore. Ben, en fait, j'ai ma grand-mère qui après la guerre, en fait, elle faisait revenir de l'eau avec de la margarine, des oignons qu'elle faisait frire, qu'elle rajoutait dedans. Elle mettait un tout petit peu de farine pour épaissir, pour faire un petit peu une sauce blanche et tout ça. Elle faisait cuire des pommes de terre et dans les 5 dernières minutes, elle faisait fondre un bloc de cornet de bif dedans. Et c'était le truc, parce que c'est pareil, ils étaient 7 gosses, ils n'avaient pas beaucoup de thunes. Donc ils mangeaient ça. Et ce truc-là, même quand on était petits, elle nous en a fait de ces plats-là. Et le truc s'est resté et je l'ai fait goûter une fois à mes enfants et ils adorent ça. C'est devenu quasiment leur plat préféré. Donc oui, on continue à. Oui, je mange encore du cornet de bif, ça se trouve encore. Voilà. Les irréductibles. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, ah ouais, 21h07, c'est. Bon, on fait un petit résumé vite fait de la dernière séance. Vous êtes endormis.
Lorsque vous êtes réveillé dans des conditions un peu étranges, puisque là, il y avait de la musique à l'extérieur, il y avait du bruit. Et quand vous êtes allé le voir dehors, vous n'étiez plus. Ça ressemblait vaguement à la rue d'Inverness, en tout cas dans la forme, mais les bâtiments étaient différents. Et vous êtes rendu compte que tout autour de vous, voilà, il y avait des trucs qui n'étaient pas là avant. Des trucs dont l'architecture ne correspondait pas du tout à ce qu'on pourrait trouver en Écosse dans les années 20. Et assez rapidement, vous vous êtes rendu compte que vous étiez probablement à Carcosa. Vous avez rencontré quelques personnes. Visiblement, les gens se préparent à une espèce d'immense célébration, encapuchonnés. Vous avez croisé quelques personnes qui portaient des masques. D'ailleurs, vous en avez récupéré tous, sauf Emma qui n'a pas voulu. Et vous avez commencé à déambuler dans cette ville un peu étrange. Vous êtes tombé sur le type que vous avez croisé sur la route du Loch Mulardock, qui vous a, qui au début pensait que vous étiez avec le petit groupe Loch Mulardock, mais finalement il l'avait un peu détrompé, et il a fini par se tirer. Et ah, tu veux ton casque? Ton casque, il est là-dedans. Putain, je te passe un truc. Excusez-moi 2 petites secondes. Tiens, mais avec ça, parce que sinon, le son, il va encore déconner. De rien. Et donc, ouais, vous allez continuer à progresser, jusqu'à ce que vous tombiez sur un musée assez étrange qui proposait une exposition des œuvres de Sanford, dont certaines très dérangeantes, certaines annonciatrices de catastrophes futures. Et lorsque vous en êtes sorti, vous êtes allé, vous êtes approché du lac, parce que vous aviez eu une information comme quoi Alexander Robbie serait au théâtre, qui se trouve là-bas, et en fait il se prépare. Il se prépare pour la célébration. Lorsque vous êtes arrivé, vous êtes tombé sur, effectivement, Alexander Robbie, mais aussi Combs, qui était en train d'embarquer sur le dernier navire qui s'apprêtait à traverser le lac, une espèce de lac d'eau noirâtre et assez épaisse, pour rejoindre l'espèce d'immense palais, une espèce de mix entre le Taj Mahal, mais avec de l'architecture le gréco-romaine, un mélange assez bizarre, où vous avez distingué au loin d'immenses braseros, quelques silhouettes qui se pressaient devant le brasero, mais aussi des nuées de créatures volantes qui planaient au-dessus de la foule, juste à la limite du cercle de lumière. S'est engagé un combat une fusillade contre Combs. Dans la fusillade, certains sont tombés à l'eau. Notamment Emma qui s'est fait agripper par Combs à la gorge et qui a commencé à sentir qu'il se passait quelque chose de pas net au niveau de sa gorge. Elle a été balancée à la flotte. Henry et Sanford, vous avez sauté à sa suite, laissant Anne toute seule sur le quai aux prises avec Combs. Et pendant que certains essayaient de retrouver, récupérer Emma et de remonter à la surface alors qu'une créature bougeait dans la flotte, Anne s'est enfuie, poursuivie par Combs qui l'a blessée, et c'est finalement Henry qui est intervenu dans le combat, qui en touchant, en blessant 2 fois Combs, l'a mis en déroute. Ce qui fait que Anne était blessée, plusieurs coups de couteau. Emma était tombée à la flotte. Quand vous l'avez remontée, vous vous êtes rendu compte qu'au niveau de sa gorge, elle avait une trace de main, et la peau était noirâtre, limite nécrosée, en train de se fendre. Et surtout, c'est que elle avait totalement perdu connaissance. Et on s'était arrêté pile poil sur le quai alors que vous étiez en train de donner des soins en tout cas Anne donnait des soins à Emma avec les moyens du bord pour essayer de la faire revenir à elle. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai rien oublié? Des trucs à rajouter? Ouais, si je venais de demander à Alexander Robbie de venir sauver Emma.
Ok. Donc on reprend là. Emma est toujours au sol. Alexander Ruby qui était sur le bateau lorsque Anne tu l'appelles, il est un peu, bah, il vient un petit peu penaud. Et donc Emma inconsciente. Et Anne, tu voulais la soigner. Alors je sais plus, je crois qu'on avait fait le test à la fin de la séance d'avant. Je crois. Je crois que j'avais fait un test de médecine, mais je sais plus pourquoi c'était. Bah moi il me semble que c'était, ça avait été pour ça. Donc tu vas rendre à Emma 3 points de vie. Ça va prendre du temps par contre. Ça va prendre vraiment une vingtaine de minutes, d'autant plus que tu n'as pas ce que tu as d'habitude, ta trousse de soins avec toi. Donc là tu fais vraiment avec les moyens du bord. Et donc voilà, vous êtes sur le quai. Au-dessus de vous, le ciel est toujours cette espèce d'immense ciel étoilé, mais violacé, avec un nombre incalculable d'étoiles. D'ailleurs, régulièrement, on peut voir à travers le ciel des formes sombres qui passent et qui cachent un petit peu la lumière de certaines étoiles. Et toujours de l'autre côté du lac, donc cet immense palais et cette fête qui a l'air de se passer là-bas. Et une fois que tu as réussi à soigner Emma, Alexander, il t'a filé un coup de main, mais c'était... En fait, ce que je veux savoir, je lui demande ce que c'est cette trace qu'elle a sur le cou, si il sait de quoi il s'agit. C'est pour le côté mystique. Je voulais qu'il mette, parce que j'ai l'impression que c'est pas net. D'accord. Ah, dis, mais le... Docteur Clark, ça c'est un des petits tours de, c'est un des petits tours de Combs. Il est capable. Je ne peux rien faire malheureusement. Mais je pense qu'avec ce que vous avez fait, c'est déjà pas trop mal. Hein, Combs est capable par la pensée de faire mourir les tissus de faire nécroser la peau, la chair. Je l'ai même déjà vu faire ça sur un objet et faire vieillir prématurément l'objet au point de le rendre inutilisable. C'est un charmant compagnon que vous avez là. Oh, vous savez, il se penche un peu vers toi et il te dit ça. Je ne l'ai jamais vraiment, vraiment apprécié. Et que voulez-vous ? Il faisait partie de mon petit groupe d'amis. Mais d'ailleurs. En tout cas. Oui. Non, allez-y, Alexander, je vous en prie. Pourquoi lorsque vous êtes venu, je ne savais pas que vous aussi vous vous intéressiez à Carcosal. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé lorsque vous êtes venu me voir à l'asile ? À vrai dire, nous sommes venus vous chercher. Nous sommes là pour vous, Alexander. Alors, je précise une chose, c'est que Alexander n'a pas changé de tête, mais par contre, au niveau de sa posture, de sa façon de se tenir, de ses vêtements. Ça n'a rien à voir avec l'Alexander Ruby que vous aviez pu voir la première fois. Là, il est bien habillé, il est bien coiffé, il a l'air d'avoir une meilleure mine, et surtout, il a plus ce regard complètement fou, à moitié perdu dans le vague qu'il pouvait avoir quand vous l'avez vu. C'est presque comme si c'était presque une autre personne. Et quand tu lui dis que vous êtes venu chercher, mais pourquoi voulez-vous... Mais je suis bien ici. Je suis bien ici. Emma vous expliquera ça. Vous la demandez, Emma vous explique ça mieux que moi. Nous avons été appelés par Carcosa pour vous.
Mais moi, je veux rester ici. Vous ne comprenez pas? Vous voyez... Ah, je n'ai pas dit qu'on allait vous emmener ailleurs. J'ai juste dit qu'on vous cherchait. Ah, vous me rassurez. Je n'ai pas vraiment envie de retourner de l'autre côté. Vous avez vu quelle était ma vie de l'autre côté? Je préfère 100 fois rester ici. Et puis c'est. Et puis il regarde un peu autour, puis si c'est pas ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal, bon là effectivement il n'y a personne. Mais... Le ciel est magnifique. Bien sûr, oui. Bon, en temps ordinaire, il y a plus de monde, là, tout le monde est parti à la célébration au palais. Mais... nous allons être en... nous allons être en retard. Je ne voudrais pas rater le je ne voudrais pas rater la pièce. J'ai même ça fait longtemps que vous êtes là? Quelques jours, oui. Eh bien, allons voir la pièce. Ah ben, bah, vous allez voir, c'est magnifique et le mon ami Edward joue dedans. Il joue dedans. Vous allez vous souvenez ah mais oui mais vous c'est vrai que vous ne le connaissez pas sous le nom d'Edward. Mon infirmier c'était un de mes amis qui m'avait suivi pour me protéger. Vous protégez de quoi? Bah en attendant le bon moment. En attendant le moment oui, où je pourrais tous nous emmener à Carcosa. Et vous protégez contre quoi ou contre qui? Contre et tu vois qu'il baisse un peu la tête et... malheureusement Graham ne comprendrait rien à tout ça. Je pense que Graham m'en veut toujours de ce qui s'est passé et que ça l'arrangeait bien que je finisse mes jours dans que je finisse mes jours tout seul dans un asile de fous. Peut-être que vous croyez. Je dis ça d'un ton plus doux, en fait. Mais... En tout cas, maintenant que je suis ici, je n'ai pas l'intention de partir. Je suis enfin là où j'ai toujours voulu être et là où je suis vraiment quelqu'un maintenant. Vous êtes qui? Ah mais je suis toujours moi, mais vous ne vous êtes jamais senti, vous n'avez jamais regardé le monde autour de vous en vous disant que vous n'étiez que tout était différent, que vous n'étiez pas à votre place. Ça m'a fait ça pendant de nombreuses années. J'ai toujours su que ma place était ailleurs. Et cet ailleurs, c'est ici, maintenant. Si je retourne de l'autre côté, je finirai par mourir là-bas. Je note mentalement... Je pense que ça correspond à un pile... logique, le fait d'avoir l'impression de pas appartenir au monde, ça doit pas être le seul. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est des trucs que t'as déjà croisés, des pathologies, des trucs que t'as déjà croisés, oui, forcément. Bien écoutez. Bon, et bien, et quel rôle tient-il dans la pièce de théâtre, votre ami? Alors, j'ai un trou de mémoire. Je vais vous dire ça tout de suite.
Tu dis qu'il joue le rôle de d'Aldonès. Est-ce que c'est un personnage qu'il y avait dans Le Roi en jaune ou ça n'a rien à voir? Alors, c'est un personnage qui est dans la pièce originale, mais pas dans l'adaptation de Stu Talbot. Est-ce que Anne le sait? Là, l'information, je la donne, c'est parce que le. Ah oui, je pars du principe que Emma a repris ses esprits Et qu'elle entend tout. et qu'elle a Ouais. entendu et que toi, tu t'as suffisamment, t'as suffisamment épluché le roi en jaune et l'adaptation que voilà, c'est une des différences qu'il y avait entre l'adaptation et la pièce. Tu sais, j'avais dit il avait viré un ou deux personnages. Et ben ça, c'est un des personnages qui a été retiré de la pièce. D'accord. Je regarde Emma pour savoir si c'est pièce ou pas, quoi. Pour savoir si c'est quoi, pardon? Ah. Et est-ce que j'ai envie d'aller voir cette pièce, Emma? Avec Alexander? Sais pas si je te réponds, mais dans mon regard, tu sens que non, j'ai pas envie. Emma a l'air encore fragile, je vais rester avec elle, ça vaudra mieux. On pourrait peut-être se retrouver après la pièce. Vous savez où vous serez? Oh, je pense que la fête va se dérouler. La fête est essentiellement au palais. Je pense que ça va durer jusqu'au petit matin. Eh bien, on vous retrouvera là-bas alors. Comme vous voulez, mais il vous montre le bateau. Je vous dis, c'est. Par contre, c'est le dernier bateau à aller de Ah bah votre oui, on côté. va prendre le bateau. Vous faites bien de nous le rappeler, nous allons le bateau avec vous. Et sur ce, bah, il grimpe sur le bateau sans vérifier que vous le suivez ou pas. Et d'ailleurs, est-ce que vous le suivez tous? Ah, moi, je regarde Bah, mes compagnons. j'interroge les autres du regard. Bah, c'est la même chose, hein. Moi, je regarde Henri avec des gros yeux. Ok, d'accord. Du style, c'était pas lui qui était venu chercher et on se barre pas avec lui, quoi. Si, 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 c'est pour ça. Moi, à la base, je veux quand même récupérer Alexander, quoi, pour son frère, quoi. Mais avec le discours qu'il vient de me tenir, Bah, là, si, hein, mais. j'ai l'impression Bah, Anne, elle n'est pas que. en état de t'aider. Bah oui, si ouais, Anne est blessée et tout. Ah non, je ne prendrai pas le bateau. Je vais aider Anne en fait. D'accord. Tu sautes Sauf pas que. sur Alexander alors. Ben là non, je saute pas dessus. Ok. Donc toi, tu prends pas le bateau, le. Donc Anne, toi, tu veux pas prendre de bateau non plus? Ah ben moi. Je considère qu'Emma est la spécialiste de Carcosa, donc je me fie à elle. Est-ce que si je lève les yeux au ciel, est-ce que je vois la constellation du taureau? Non. Non, elle n'y est pas du tout. Non, elle n'y est pas du tout. D'accord. Je sais pas, donc du coup je vois que Henri et Anne n'ont pas l'intention de monter. Je regarde Sam fort pour voir ce qu'il a l'intention de faire. Sanford. Ouais, excusez-moi, je viens de revenir. J'ai un problème personnel. Je vais devoir vous quitter. Ok. Voilà, je suis vraiment désolé. Ok, t'inquiète. Voilà. Pas de soucis. Je vous laisse. Au Ok, revoir. salut. Salut. Cool. À bientôt. Ciao. User disconnected from your channel.
Ok, donc bon, alors si t'attendais de voir un peu, si t'attendais de savoir si Sanford voulait monter sur le bateau ou pas, je pense qu'en fait vous êtes tous en train de vous regarder, vous interroger du regard. Bah, j'ai l'impression que c'est chacun attend qu'un autre le décide Réagisse, formellement, si oui ou non. Ouais. ouais. Moi, je suis un peu perturbé, hein. Enfin, je suis pas le seul, hein, avec tous ces événements là. Et puis Anne qui est blessée avec les coups de couteau. Et Alexander, là, ça y est, il s'est éloigné avec le bateau, il est plus là. Bah, il est sur le bateau, et puis il vous regarde en l'air de dire comme s'il vous attendait. Et Anne, t'es comment? T'es dans quel... Enfin, c'est... Est-ce que tu veux marcher? Est-ce que je peux marcher? J'ai donné des soins à Emma, mais je suis pas sûre. Si, tu peux marcher. Tu peux marcher, t'as. Si, t'as les deux tiers de tes points de vie, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est Emma. À Emma, toi, t'as à peine, t'as tout juste un tiers de tes points de vie. Tu vas pas pouvoir courir un marathon, ça c'est sûr. En fait, c'est surtout la douleur que tu as surtout, c'est au niveau de la gorge. Là où il t'a touché, et du coup t'as un petit peu de mal à respirer, donc tu vas être très vite, tu peux marcher, mais tu vas être assez rapidement essoufflé. Donc il faudra de temps en temps certainement te donner un coup de main pour marcher. Parce que moi, mon impression là, c'est qu'on est bloqué ici et qu'on ne pourra pas repartir tant que la pièce sera pas jouée, quoi. Ce sera pas fini, quoi. J'ai cette impression là, hein. Après, je peux me tromper, hein, mais tant que la pièce n'est pas terminée et pas jouée, on pourra pas repartir dans notre monde, quoi. Ouais, de toute façon, je crois que ça sert à rien de kidnapper Alexander tant qu'on sait pas comment rentrer. De toute façon, oui, c'est ça. C'est aussi ça que je Ah pensais. mais moi je sais comment rentrer, mais Ah bon, comment? ben, il faut Bah, passer le c'est bien portail. de partager avec nous. D'accord, ok. Ben, il faut Oui. passer le portail, je vous le dis depuis le début de la soirée. Hein. Bon, bah, allons D'accord, sur mais le ça bateau fait alors. depuis le début de la soirée que je le cherche. Et il est là-bas, hein? Il est sur Ben non, l'île, hein? le portail, il est là où on était hier. Ah, tu penses qu'il faut retourner, mais on peut pas, on est bloqué dans Carcosa là. Et puis justement, si tu repasses le portail, tu repasses de l'autre Oui, côté. mais il est où? Bah, À il est sur Carga, le l'île. portail. Bah, il est sur l'île, je pense, hein. Il est là où on était hier. Comprends pas où on était hier. Là où Sanford a vu Jean, là où vous avez Oui, vu mais la ça, c'était pas bestiole. à Carcosa. Bah si, il y avait le portail. Mais c'était pas à Carcosa. Là où on était hier. Là où Non, on était enfin, hier, c'était on ne sait Tinderness. pas. Et là, aujourd'hui, on est à Carcosa. Donc, il est où le portail à Carcosa? Moi, ouais, mais enfin, je sais pas si tu sais où on était hier, hein, Patin. Parce que tu te rappelles du ciel? Il était quand même bizarre, le ciel. Oui, comme ici. Comme ici. Donc, est-ce que tu es vraiment sûr qu'on n'était pas déjà à Carcosa hier? Et Anne, tu le sais pas? Elle comprend plus rien, Anne. Tu sais, les histoires de fous. Moi c'est pareil, hein. Je Elle va comprends changer de pas. métier. Vous voulez aller à la pièce? Bah, de toute façon, moi je pense qu'on est bloqué tant que la pièce n'est pas terminée, quoi. Oui. Après, vous voulez aller à la pièce, tout en sachant que c'est peut-être se ruer dans la gueule du loup. Moi, j'ai pas envie de vomir. Moi, j'ai pas envie de croiser. Parce que la dernière fois, c'était à... Alors, si c'est la même pièce, j'ai pas envie, quoi. Ça
Ça va falloir qu'on se décide vite, hein, parce que le bateau, il va pas rester là. Hein. Bon, de toute façon, allons-y. Au point où on en est, hein. De toute façon, il faudra trouver des médecins déjà pour vous soigner. On a rien du tout ici. Coup, je monte dans la Moi, je sais. dans le bateau. Moi, j'aide Anne à monter dans le bateau. Ouais. Hop, on y va. Ouais, moi, je sais même pas où c'est ici. Bon, vous montez, Sanford suit. Vous voyez un grand sourire sur le visage d'Alexander. Et à peine vous êtes monté sur le bateau que le navire commence à s'éloigner du quai et se met à naviguer sur cette espèce d'immense lac à l'eau huileuse et noire. Presque aussi noir que, enfin, c'est plus noir que l'eau déjà sombre du Loch Mulardoch. Et bah le voilà, vous vous retrouvez assez rapidement en plein milieu de ce grand lac. Et le truc, c'est que vous avez une espèce de sensation un peu bizarre. C'est que à certains moments, vous vous dites bon, on se rapproche, et d'autres moments, c'est probablement l'environnement et tout ce qui se passe qui vous joue des tours. Mais parfois, vous avez l'impression que vous êtes plus loin qu'il y a quelques minutes. Plus loin du palais. C'est assez étrange. Et Alexander Roby, bah, alors qu'il est assis dans le bateau, il se tourne vers vous et bon alors racontez-moi comment vous en êtes venu à connaître tout ça et à connaître Carcosa. Eh bien, voyez-vous, vous, il y a eu une de théâtre il y a quelque temps à Londres. Mais Oui. sûrement que vous n'êtes pas au courant parce que vous n'étiez pas à Londres à ce moment-là. Et il y a eu la pièce que nous allons voir là, elle a été donnée à Londres. Ah, d'accord. Vous en avez de la chance, vous savez déjà Ah tout ce oui. qui vous savez déjà tout ce qui va se vous savez déjà ce qui va se passer alors. Je crois que c'est une pièce pleine de surprises. Chaque représentation doit être différente. Mais par contre, mais je comprends pas c'est du coup c'est qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à moi et si vous vous intéressez à Carcosa et tout ça, pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Pourquoi avec Edwards enfin Evans comme vous l'avez rencontré, mais avec Edwards on aurait pu s'organiser. Mais en fait, on ne le savait pas. C'est après que nous avons entendu parler de Carcosa. Nous avons compris que ce n'était pas juste une ville de théâtre. Ah, vous découvrez tout ça avec un regard neuf. Ah, je vous Ah oui. envie. Je vous envie. Et à vous allez voir, c'est vous allez voir la fête qu'il y a de l'autre côté, ça promet d'être magnifique. Mais par contre, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Vous restez, vous préférez, vous avez l'intention de rester ici après? Nous pourrions former un nouveau cercle et nous pourrions devenir amis tous ensemble. Oui, pourquoi pas? Je pourrais vous présenter plus formellement Edwards et je pourrais vous présenter aussi
Monsieur Bacon. C'est Oui, mais alors pas un de mes amis. Monsieur Combs. Non, je vous l'ai dit. Combs est spécial. Il est spécial. Delia, mon ancienne fiancée, ne l'aimait pas trop. Elle ne l'aimait pas du tout, d'ailleurs. Il lui faisait peur. En même temps, s'il saute sur tous les gens qu'il voit avec un couteau, je peux la comprendre. Mais il était là, je sais pas, il est là pour me protéger. Peut-être qu'il a cru... Je sais pas, il y a peut-être eu une méprise quand il vous a vu. J'avoue, je ne comprends pas exactement pourquoi il vous a sauté dessus comme ça. Quand il vous a vu, peut-être quand il vous a vu arriver rapidement comme ça sur le quai, il a peut-être cru que vous nous vouliez du mal ou vous vouliez prendre nos places sur le bateau pour rejoindre le palais, je ne sais pas. Il peut pas rentrer avec votre ami. Bon, de toute façon. Et il se tourne vers le palais. De toute façon, on devrait bientôt arriver. Ne parlons plus de ça. Profitons de toute la soirée. Et vous voyez que effectivement, vous êtes en train de vous rapprocher. Enfin, de vous rapprocher des quais au pied du palais. Et il y a l'air d'y avoir une terrasse un peu légèrement en hauteur, là où se situent donc d'immenses braseros, avec une foule de gens. Là, vous vous rendez compte que c'est des plusieurs milliers de personnes qu'il y a. Il y a du monde partout. Il y a des groupes, il y a des endroits, il y a des orchestres qui jouent de la musique. D'autres endroits, vous voyez plusieurs personnes en train d'admirer, des gens en train de danser. Et toujours au-dessus de la foule, qui obscurcit quasiment entièrement le ciel, cette espèce de masse grouillante de créatures qui volent. De temps en temps, on entend des petits cris stridents qui viennent de là-haut. Et le bateau, en fait, s'engouffre dans une espèce... longe le quai et arrive dans une espèce de... Ouais, un peu comme une... comme un port... Et il y a plein, plein, plein de bateaux qui sont déjà amarrés ici. Et le bateau s'arrête le long du quai. Et Alexander saute et se tourne vers vous en faisant une grande révérence et en vous disant bienvenue au palais de la reine Cassilda. Allons nous amuser. Et vous voyez, il se frotte les mains. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Et il commence à partir sur le quai. De temps en temps, il jette un œil dans votre direction pour voir si vous suivez bien ou pas. Il dit qu'en voyant sa tête, ici, c'est nous qui allons péter un câble et à l'asile. On reste dans ce monde. Ouais, c'est pas faux. Donc, vas-y. Bien sûr. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour Emma, tu vas pouvoir marcher. Tu passes mais c'est vrai que. Alors, ah, pardon. Ouais, c'était toi dans le tunnel. Donc, comme je disais, Emma, tu peux marcher, mais c'est vrai que tu peux pas. Voilà, de temps en temps, il va falloir qu'il te file un petit coup de main ou au moins qu'il t'attende un petit peu parce que c'est voilà, un peu de fatigue et tu te sens toujours pas très bien avec ce qui s'est passé. Ok. Tu veux pas la porter, Henri? Pardon, t'as dit quoi? Bah non, il s'occupe déjà de toi. Non, mais moi ça va. Il y a Sanford aussi hein, qui peut filer. Ouais, voilà, Sanford il va me supporter un peu et puis voilà. Exactement.
assez rapidement, vous allez grimper une volée de marche et vous vous retrouvez dans une foule complètement bigarrée. C'est des centaines et des centaines de personnes qui sont là, qui font la fête. Alors ils sont tous masqués. Vous vous rendez compte qu'il y a des costumes. Et quand je dis des costumes, enfin c'est plus des modes vestimentaires complètement farfelus, mais aussi des modes vestimentaires qui appartiennent bien à votre monde, mais pas forcément aux années 20. Il y a des trucs, ça fait très Renaissance, voire même limite moyenâgeux parfois. Il y a vraiment pas mal de monde tout autour de vous, qui tous masqués, qui ne se préoccupent pas plus que ça de vous. Alors par contre, quand vous progressez, vous êtes un petit peu bousculé, tout ça. Donc c'est un peu voilà. Mais Alexander, lui, avance au milieu de tout le monde comme s'il était totalement dans son élément. C'est comme s'il était chez lui. Faites-moi tous un test de trouver objet caché. Non, non, c'est pas vrai. Non, non. C'est qui fait ça? Pourtant, c'est vrai. Je sais pas qui c'est qui fait ce bruit-là. C'est Henri. C'est moi qui fais le bruit, là? C'est ta faute, je suis sûr. De quoi? Le sang? Ah bah, le sang... Non, c'est peut-être exprès. C'est peut-être Henri qui a fait un truc bizarre. Mais j'ai rien fait. On n'entend plus... Vous m'entendez? Ouais. Ouais. C'est Eric qu'on n'entend plus. C'est Eric qu'on n'entend plus, ouais. Putain, j'ai fait 100, quoi. C'est Eric, il essaye de parler. Alors, c'est la folie de Carcosa. Je ne comprends pas le robot. T'as fait un 100, t'as fait bugger le MJ. Oh putain, la vache. Bon, je reviens. Ouais. Alors que nous deux, on a trop assuré les filles, quoi. Ouais, alors que pourtant on n'est pas en super état. C'est pour ça qu'on est complètement flippé en fait, on regarde tout. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah oui. Oui. Oui, ok, je sais pas, mon micro il s'est déconnecté tout seul. Ah ben, c'était un peu spatial. Donc Henri, oui, avec une belle maladresse. Simple, ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, qu'est-ce qui aurait pu vraiment attirer ton regard, Henri, au point de complètement décrocher, de te faire complètement bloquer? Et les créatures au-dessus de moi qui crient, tout ça, je pense que... D'accord. Je pense que je suis resté scotché sur le visuel du. Il n'y a plus de nuages, mais c'est juste une espèce de grosse masse de créatures, quoi. Ok, d'accord. Ça marche. Je reviendrai vers toi après. Emma et Anne, vous, en fait, à un moment donné, vous voyez quelqu'un dans la foule qui vous semble familier. Une personne qui vous semble familière. Et Emma, tu es persuadée d'avoir reconnu Jean. Tu l'as reconnue tout simplement parce qu'elle ne porte pas de masque. Du tout. Mais elle a une espèce de voile un peu diaphane sur la tête et sur le visage.
Et voilà, tu as fait une réussite extrême. Tu es sûr et certaine que t'es sûr et certaine que c'est Jean. Elle est en plein milieu de la foule. Oui, elle est dans la foule. Elle semble pas Et t'avoir, elle semble pas t'avoir aperçu. elle est toute seule, elle parle avec quelqu'un ou elle est toute seule? Non, elle est toute seule et en fait tu la vois déambuler comme tu sais un petit peu en sautillant, en dansant d'un pied sur l'autre, en passant au milieu de la foule. Elle a l'air d'être toute seule, ouais. Bah du coup je me détache du groupe et je vais vers elle. Donc Anne, toi tu toi en fait t'as vu une femme qui ouais qui aurait pu ressembler à Jean mais t'es pas sûre et certaine. Mais par contre, ouais, tu vois Emma qui se détache du groupe. Et ceci, en faisant tout ça, et Henri en étant complètement obnubilé par ce qui se passe au-dessus, bah Henri, toi, tu vas complètement paumer les filles. Tu vas complètement paumer les filles quand tu, Ok. peut-être que, je sais pas, un moment quand tu vas peut-être reprendre tes esprits. Elles sont plus du tout à côté de toi. La foule a tellement bougé, évolué, que tu les vois plus du tout. Mais de toute façon, on suit la foule, hein. Mais ouais, Ouais, oui. donc Les... je panique pas plus que ça. Je me dis que je la retrouverai un petit peu plus loin. D'accord, ça marche. Emma et Anne. Donc Emma, toi, tu t'es avancée vers le. Vers Jean. Et Anne, t'as fait quoi? Tu l'as suivi ou pas? Oui, et en même temps, je prends conscience que je trouve ça bizarre quand même que Robbie m'ait reconnu avec mon masque. C'est vraiment bizarre, ça, toi. Et Ouais, puis ce Robbie, il est vraiment bizarre. mais tout à l'heure aussi, quand ils étaient passés au musée, les gens ont reconnu Sanford alors qu'il avait son masque. C'est dingue, ça. Et nous, on a reconnu Robbie alors qu'il avait aussi un masque. Non, Robbie n'a Robbie, il pas de n'avait pas le masque, lui. masque. D'accord, ok. Non. Non, il n'en a pas. Ok. Donc, ouais, Anne et Emma, qu'est-ce que vous faites? Le jean est toujours en train de danser. À un moment donné, elle danse autour d'un type qui porte un plateau avec des espèces de verres peut-être remplis de vin. Et elle en prend un au passage tout en dansant. Et elle n'a pas du tout l'air de vous avoir capté. Non, moi j'essaye de la rattraper et si je la rattrape, je pose ma main sur son épaule pour la faire tourner. Et elle se retourne. Tu l'as un peu coupée dans son élan, et le grand sourire qu'elle avait sous son voile disparaît quelques secondes et elle te dit, elle te fait le oui. Jean? Que faites-vous là? Ah, je suis désolé, vous devez vous tromper, mademoiselle. Ah non, non, je me trompe pas, non, je vous reconnais très bien. Je me prénomme Yolanda. Je ne m'appelle pas Jean. C'est un peu bizarre comme prénom d'ailleurs. Mais et vous êtes? Emma. Emma Lake. Ouais, ça aussi c'est bizarre. Mais et puis elle se remet à sourire. Mais que faites-vous ici? Bah, et comme tout le monde, je viens m'amuser. D'accord. Mais je veux dire, que faites-vous dans la vie? Votre métier? Votre occupation? Ah. Je suis ce qu'on pourrait appeler une muse. Une muse? Oui, une muse. Une muse, Ma beauté inspire les artistes. D'accord. Et
coup, je réfléchis un peu là, mais j'attends que Anne nous ait rejoint parce Ah bah, que Anne, elle est juste là, là pour j'hallucine les... un peu là, quoi. Anne, elle te rejoint. Ouais, moi je observe, je vous écoute en fait. Donc, Anne a entendu tout ce qu'elle a dit là? Oui, elle a entendu à peu près tout ce qu'elle a dit. Le fait que, en fait, elle se prénommait pas Jean, mais Yolanda. Du Oh coup, oui, elle a entendu. je me retourne vers Anne et avec les yeux écarquillés, je dis c'est... Parce qu'elle ressemble vraiment à Jean, quoi. C'est Ah oui. pas un sosie, c'est trait pour trait, quoi. Oui. Oui. D'autant plus que tu reconnais même ses vêtements, c'est des vêtements qu'elle portait sur une des toiles de Sanford. Du coup, ouais, je me retourne à Anne et je lui dis, Anne, Mais... tu connais ce genre de trouble? Parce que là, je trouve ça quand même assez... Stanford est avec nous, non? En fait, c'est là que tu te Ou rends on l'a compte perdu que aussi? c'est là que tu te rends compte que Henry et Sanford sont pas derrière vous. Ils sont pas du tout derrière vous. Alors, il me faut un petit moment pour me remettre de cette information parce que ça déstabilise Anne, les hommes les aient pas suivis, enfin, qu'ils se soient perdus les uns et les autres. Yolanda intercepte un plateau qui est couvert de plats, de verres et tout ça. Et elle prend des verres et qu'elle vous tend à toutes les deux. Mais ne faites pas cette tête-là. Nous sommes tous là pour nous amuser. Prenez, buvez. C'est un vin qui vient de chez moi. Qui viennent chez vous? Oui. C'est-à-dire? De Vous venez d'où? dit-il. D'accord, c'est bon, ça continue. Vous jouez dans la pièce, peut-être? Ah non, 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 non. Non, ce Ah soir non? c'est une... Non, c'est une ce soir c'est une représentation spéciale la plus belle. Mais non, je ne joue pas. J'ai d'autres talents, mais je n'ai pas celui d'actrice. Oui, vous pouvez inspirer les actrices. C'est plutôt ça, votre boulot. Oui. Ou les artistes comme Sanford? Sanford? Sanford Lake, ça vous dit quelque chose ou... Ça devrait. Vous n'avez pas vu son exposition? Ça devrait, hein. Il a fait un portrait de vous. Ah, bon. Que voulez-vous si j'inspire des artistes que même des artistes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus? Ah ben là, c'est pas que vous le connaissez pas, c'est que vous le connaissez et que vous avez même été très intime avec lui. Je le saurai quand même. Ben visiblement, non. Vous ne le savez pas. Vous avez peut-être des pertes de mémoire, mademoiselle. Non, je ne pense pas, mais... C'est possible qu'une muse inspire un quelqu'un qu'elle ne connaît pas? Bon, vous savez, il faut croire que tout est possible. Regardez, encore il y a de cela quelques jours, nous ne savions pas que nous ne savions pas que le roi allait arriver et son messager est ici. Toute cette fête est en son honneur et en l'honneur de l'arrivée du roi. Et que vous savez ce qu'il va se passer. Ah,
qu'il va se passer, je ne sais pas, mais on va tous faire la fête, c'est tout. D'accord, ils sont focus sur la fête, ils n'ont rien à foutre du reste. Bon, il y a bien des rumeurs comme quoi la ville deviendra une partie de Carcosa, mais bon, ce n'est pas bien grave tout ça. C'est peut-être déjà le cas, non ? Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. J'ai oublié de préciser, depuis le début, à chaque fois qu'elle vous parle, elle tient pas en place, elle sautille, elle tourne sur elle-même, et puis il y a toute la foule qui vous pousse un petit peu à avancer aussi. Et surtout, vous n'avez toujours pas, vous avez complètement paumé les Sanford et Henry. Est-ce que vous voulez, je sais où on pourrait, je connais un endroit. Je connais un des balcons du palais, parce que c'est pas la première fois que je viens ici. Je connais un des balcons du palais où nous aurions une vue imprenable sur la pièce. C'est merveilleux, ça, n'est-ce pas, Emma? Oui, magnifique, volontiers, on vous suit. Eh bien. Allons-y. Merci, Yolanda. Alors que vous suivez un peu le flot de la foule, à un moment donné, elle vous attrape, elle a laissé son verre sur un petit muret, et elle vous attrape chacune par la main et vous emmène vers une petite ruelle du palais, et vous commencez à monter des escaliers en colimaçon, à traverser une espèce d'immense galerie où il y a que des miroirs. Mais alors vous vous rendez compte que dans les miroirs il n'y a pas vos reflets. Écoute, je suis après. Après avoir traversé cette galerie, vous arrivez dans une petite pièce, une espèce de boudoir. Ça a l'air d'être un cul-de-sac, mais vous voyez qu'elle se dirige vers le fond de la pièce. Elle manipule au niveau du mur, ouvrant une espèce de passage secret caché dans les boiseries. Et de l'autre côté, au lieu de trouver une espèce de petit escalier ou de petit couloir assez étriqué, hein, parce qu'on s'attendrait à trouver derrière un passage secret, en fait, ça donne sur un escalier qui doit faire au moins 4 mètres de large, qui est avec magnifiquement décoré. En fait, voilà, vous allez enchaîner des pièces, des couloirs, des escaliers qui n'ont aucun sens. Dans l'enchaînement, ça n'a aucun sens. À un moment donné, vous allez même descendre un escalier en colimaçon, sans aucune rambarde, et en regardant par-dessus le bord, vous vous rendez compte que vous allez descendre de 6 ou 7 étages au minimum. Et alors que vous arrivez en bas, vous arrivez devant une espèce de grande baie vitrée qui donne au-dessus d'une immense esplanade où il y a ces fameux braseros. Alors que en théorie, là, vous devriez être plusieurs mètres sous terre par rapport à ce que vous avez, tous les escaliers que vous avez descendus. Et au niveau de cette esplanade, de ce balcon, effectivement, il y a juste quelques personnes qui sont là, qui jettent un petit coup d'œil un peu dédaigneux lorsque vous arrivez. Et Yolanda vous emmène jusqu'à la balustrade. Il y a d'immenses statues, parce que le balcon doit mesurer à peu près une cinquantaine de mètres de long. Et vous rendez compte qu'il y a quelques statues qui sont, mais des grandes, grandes statues qui sont perchées sur la balustrade. Sauf que vous vous rendez compte que c'est pas des statues, puisqu'à un moment donné il y a une des statues qui se met à bouger, à frémir. En fait, c'est une créature similaire à celle qui vous a attaqué dans la campagne anglaise. Là, vous allez pouvoir faire un petit test de santé mentale. Le test de santé mentale, ça va être pour ça et aussi pour tous les trucs complètement incohérents que vous avez vécu là en traversant tout le palais. Je rate. Voilà, deux petits échecs. Et
Oh, ça va. Vous ne perdez que 3 points chacune. Et moi aussi, je le fais, non? Non, non, toi, je vais justement. Ok. Donc, vous êtes sur cette espèce de balcon, et comme je disais, en dessous, il y a cette grande esplanade. Il doit y avoir peut-être 2000 personnes qui sont agglutinées là. L'esplanade, elle est Oh. immense. Ça fait, c'est 300 mètres de large, au minimum. Et donc, il y a toute une foule assemblée là. Et au milieu de la foule, il y a une petite estrade, et vous reconnaissez vaguement le décor de la pièce, notamment de la dernière scène. Vous savez, lorsqu'il y avait toute une espèce de bal costumé, et où certains d'entre vous avaient vu l'étranger se tenir, donc avec son masque et son grand manteau, se tenir immobile au milieu de tout le monde, alors que la fête battait son plein autour de lui. Ça représente plus ou moins ça. Et vous entendez, Emma, toi tu reconnais clairement, ils sont en train de déclamer. Il y a une femme qui tient une épée à la main, qui est en train de déclamer son texte, et tu reconnais des phrases de la fin de la pièce de théâtre. Tu reconnais clairement des phrases de la fin de la pièce. Ok. Du côté de Henri. Henri, toi, tu t'es complètement paumé. Ok. Tu t'es complètement paumé. T'as paumé Sanford aussi. Super. T'as paumé Sanford. Et donc, tout le flot de, comme je disais, le flot de gens avance. Il y en a certaines, il y a même carrément une farandole qui se forme à côté de toi et qui commence à déambuler au milieu des gens pour aller un peu plus vite. D'ailleurs, à un moment donné, t'as une femme qui essaye de t'attraper la main pour t'embarquer avec elle. Ouais. Une assez belle femme, avec une peau d'ébène, vêtue avec ses cheveux coiffés avec de très longues dreadlocks. Et elle est assez peu vêtue, ça laisse pas beaucoup de place à l'imagination, avec des colifichets, même des peintures, des espèces de peintures rituelles, des trucs que tu pourrais, qui te font penser sur certains points au vaudou. D'accord. Et donc, qui essaye de t'embarquer Alors, dans la farandole avec un grand sourire. je me laisse faire. Hein. Je crois qu'au bout d'un moment, je vais perdre un peu le pied, c'est-à-dire que je vais croire à tout ça, je vais faire la fête avec les autres, je me laisse embarquer en fait. Vu que je vois plus personne autour de moi, je vois plus mes amis, je me dis qu'eux aussi ont été, on va dire, embarqués dans cette espèce de farandole un peu mystique, et je vais suivre la jeune femme. D'autant plus que vous avez complètement perdu Alexander Roby. Ouais. Je le précise aussi. Vous l'avez complètement paumé. Toi, tu t'es paumé dans la contemplation du ciel. T'as perdu Sanford. T'as perdu Alexander. Et les filles, elles sont focalisées sur Yolanda Jean. Et vous avez complètement. En plus de ça, le temps passe. Vous avez l'impression que c'est des heures et des heures et des heures que vous êtes ici. Vous commencez à avoir faim aussi, faim et soif, mais vous n'arrivez même plus à avoir une idée du temps qui s'écoule. Et donc, bah, écoute, toi, tu vas être embarqué dans cette farandole qui déambule donc avec cette femme qui te cette femme qui te fait de grands sourires. Elle doit avoir peut-être une trentaine d'années. D'accord. Et à un moment donné, vous passez même carrément à travers des maisons. Vous rentrez dans une maison. Ouais, vous rentrez dans une maison. Il y a des gens qui font la fête là aussi. Puisqu'il y a tout le grand palais, mais il y a aussi d'autres, des espèces un peu comme des dépendances ou d'autres parties des ailes du palais. Vous y passez, il y a des gens qui sont en train de manger des festins, des tables qui sont recouvertes de nourriture.
Mais vous passez là au milieu des gens, ça choque personne. À un moment donné, vous passez par une porte-fenêtre, vous passez sur un balcon, vous traversez un petit jardin, une espèce de jardin un peu jardin à la française qu'on pourrait voir à Versailles, contourné d'immenses fontaines. À un moment donné, vous passez même à travers une espèce de comme des thermes où il doit y avoir peut-être, je sais pas, 20, 30 personnes qui sont dans l'eau ou sur les bords, qui sont entièrement nus. La grande majorité sont en train de faire l'amour, mais voilà, il n'y a pas de, il y a des couples, il y a des endroits, c'est plusieurs personnes qui sont ensemble, des femmes et des femmes, des hommes et des hommes, c'est, tu passes, et tout le monde, en fait, dans la farandole, ça choque personne, tout le monde s'en fout, vous passez au milieu des gens qui sont au sol en train de faire l'amour, tout le monde, personne ne réagit. D'accord. Et à un moment donné, tu vas même passer dans une pièce où il y a l'air d'avoir peut-être un artiste qui est en train de qui est debout. Il y a plusieurs personnes qui regardent un peu son travail. Et par contre, là, c'est au niveau de ce qu'il est en train de peindre. Il y a une scène qui a été représentée, une table, un banquet apparemment. Mais tu te rends compte que tous les convives qui sont assis autour de la table sont probablement morts depuis plusieurs semaines. Ah ok, d'accord. Ah c'est moins Il y a fun une là. odeur assez putride. Quand tu passes, tu vois les peaux qui sont, les cadavres qui sont en état de décomposition. La chair en train de se liquéfier par endroits, en train de couler au sol. D'ailleurs, il y a une immense mare de différents liquides qui a coulé au pied. Et l'artiste qui est en train de repeindre ça sur une grande toile. Et d'ailleurs, tu vois qu'à un moment, il y a toute une coulée de liquide qui va presque jusqu'à ses pieds. Et il se baisse avec son pinceau, il en prend un petit peu et il met une petite touche sur son tableau. Ok. Ouais, Ouais, c'est moins fun là déjà. ouais. Et à un moment donné, la farandole commence un petit peu à se disloquer. Assez rapidement, tu te retrouves tout seul enfin tout seul. Il y a plus que dans la farandole, il n'y a plus que toi et la femme qui t'avait embarqué avec elle. Et clairement, tu vois clairement, elle se jette sur toi. Là, très très lascivement, cherchant à t'embrasser et à t'entraîner un petit peu à l'écart, derrière une colonne dans une espèce d'immense salle de bal, avec de grandes fenêtres. Il y a des gens qui sont là, qui sont en train de danser, de s'amuser. Et elle est en train de t'entraîner vers une colonne, limite presque à t'entraîner derrière d'immenses tentures qui pendent du plafond. Je vais me laisser faire. Tu te laisses faire? Ah ouais. Ok, bah écoute, on ne va pas s'appesantir sur ce qui se passe derrière cette tenture, mais en tout cas, Henri passe un bon moment avec cette femme. En fait, alors, c'est toi qui, pour le, là, c'est toi qui vas pouvoir me dire ça. Est-ce que tu penses que cette femme-là, en fait, avait tous les critères de beauté qui pouvaient en faire une femme parfaite, en tout cas physiquement, pour Henri? Oui, ouais, clairement, ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai suivi. Très bien. Bah, écoute, voilà, tu vas passer un bon moment, tout en perdant un petit peu le sens du Ben, temps est-ce que le sens des réalités et du temps, j'ai déjà pas perdu depuis que je suis ici, quoi? C'est ça que je suis en train de me poser comme question. Parce Oui, que là, t'es déjà bien entamé. ouais. Effectivement. Ma santé mentale est bien entamée, je pense, déjà là. Et j'en oublie, franchement, j'en oublie Alexandre Oby, mes compagnons,
ce que je dois faire pour Graham Ruby. Enfin, voilà, je me laisse vraiment aller dans le dans l'expectative et puis dans le dans le dans le moment, quoi. Voilà. Sans penser à rien d'autre, quoi. D'accord. Écoute, quand tu reprends un petit peu tes esprits après avoir passé un moment avec cette femme qui, une fois l'affaire terminée, s'est à ramasser ses vêtements, enfin le peu de vêtements qu'elle avait, et avec les vêtements à la main, est partie complètement nue au milieu des convives pour se diriger vers une des grandes fenêtres. Et tu te rends compte qu'il y a il y a un mouvement de foule. Tous les gens qui étaient dans la pièce sont en train de se diriger vers l'extérieur. Je fais de même. Je suis la foule. Tu suis la foule et tu assistes à ce que j'ai décrit tout à l'heure pour Anne et Emma. Donc cette grande esplanade avec une estrade et sur laquelle est en train de se tenir. Tu reconnais aussi, hein, tu reconnais le. La dernière scène de la pièce de théâtre. D'accord. Et sur la scène, vous voyez un personnage. Vous reconnaissez tous parce que voilà, vous êtes à peut-être une trentaine, quarantaine de mètres, mais vous reconnaissez Edward. Il est sur scène portant une toge. Et lui aussi en train de déclamer quelque chose, mais vous l'entendez pas. Par contre, une femme qui a l'air de jouer la reine Cassilda, elle est en train de déclamer son texte, une épée à la main. Et au milieu de la, de, et en fait, vous avez l'impression qu'il y a une partie de la foule qui sert aussi de figurant à la pièce de théâtre. Et la foule s'écarte. Et vous voyez une silhouette s'approcher. Une grande silhouette, au bas mot, elle doit faire dans les 2,50 m de haut, assez avec une espèce de grande cape à capuche qui porte le signe jaune dessus, et surtout qui porte une espèce de masque blanc, légèrement luisant, peut-être un peu comme une espèce de masque en ivoire ou en os. Et alors que la silhouette avance avec des mouvements un peu saccadés, vous voyez la reine qui plonge son épée en pleine poitrine d'Edward. Sauf Okay. que Edward ne tombe pas. Elle sort l'épée et Edward est toujours debout. Il a l'air de souffrir, mais il est toujours debout. Et puis au fur et à mesure des secondes, il reprend de la force. Et vous voyez que il passe une main sur sa poitrine et là où il y avait une plaie béante, il n'y a plus rien. Vous allez pouvoir tous me faire un petit test de trouver objet caché. Putain, mais c'est pas Oula. possible. Je passe de 200 à 0, hein, quoi. Tu auras fait les deux extrêmes. Ouais. C'est la folie qui te rend. Je crois. Écoutez, c'est Henri. Henri, tu reconnais dans les. Tu reconnais dans la foule, juste au pied de l'estrade. Tu reconnais, tu vois Alexander. Qui est là, et surtout à côté de lui, tu reconnais celui que vous aviez identifié comme étant Laurence Bacon. Et au moment où tu les reconnais, tu vois Alexander tourner un regard mais complètement horrifié vers Laurence Bacon, et Laurence Bacon en fait, il lui fait un sourire carnassier, et Alexander Roby, tu le vois faire signe non de la tête. Et commencer à reculer. Et pour les filles, vous remarquez en fait que vous savez les grands brasiers qu'il y avait autour qui flanquaient plus ou moins la scène, malgré que ça flambe énormément,
vous avez l'impression que la luminosité est en train de diminuer. Et que l'espèce de nuage de créatures qu'il y avait au-dessus de vous, vous avez l'impression que c'est en train de s'écarter. C'est en train de s'écarter, les créatures sont en train de piailler. Et ça s'écarte, et ça finit même par faire une espèce d'anneau tourbillonnant de ces créatures. Il y en a des centaines et des centaines. Que faites-vous? J'essaye de je peux me cacher de ces créatures? Ah bah pour l'instant, elles sont juste au-dessus, mais alors pour vraiment oui. te cacher, il faut retourner dans le bâtiment. Il n'y aura pas 36... Il n'y aura pas 36 solutions pour te cacher dans le bâtiment. Donc, faut que je quitte le balcon, quoi. Ouais. Ouais. Je peux faire ça tout en ayant quand même le balcon dans ma vue, dans mon champ de vision. Oui. Alors, en reculant... C'est ce que reculant, je fais. Ouais, tu bouscules pas mal de monde, parce que tout le monde s'agglutine pour voir ce qui se passe. Emma, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis absorbé par la scène et je regarde. Ok. Henri, qu'est-ce que tu fais? Je suis à combien de mètres de Bacon? Alors, là, en étant t'es un petit peu en hauteur, t'es à une trentaine de mètres, sachant qu'il y a un escalier un peu plus loin qui descend sur l'esplanade. Ben, oh putain, Ramsès! Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre par l'escalier là. Ouais. Pour essayer de me faufiler discrètement derrière lui en fait. D'accord. Tu veux te faufiler derrière. Derrière Bacon. Bacon. Ouais. Ouais. Ça marche. Ok. Je te fais pas faire de test parce que il y a tellement de monde et. Tu bouscules un peu les gens, mais tu t'approches relativement facilement. Anne, tu m'as dit toi tu reculais, et Emma, tu m'as dit que tu regardais. Emma, dans l'espèce de trou dans le ciel, dans le nuage de créatures, tu commences à. Alors, c'est très sombre, on voit pas les étoiles. Normalement, on devrait voir les étoiles violettes. Mais là, on ne voit pas les étoiles. Par contre, il y a une espèce de masse sombre qui tu distingues que ça bouge, comme si quelque chose était en train de descendre au milieu de cet immense nuage de créatures volantes. D'accord. Et que est-ce que tu continues, tu restes là? Oui, en fait, ouais. Vu que j'ai remarqué ça, maintenant je regarde plus la scène, je regarde ce qui descend. Ça marche. Henri, en jouant des coudes, tu réussis à t'approcher, t'es à une dizaine de mètres de Bacon. Et en fait, autour de toi, tu te rends compte que la foule s'est tue totalement. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Il y a juste, limite presque comme si la foule retenait son souffle. Et tout ce que tu l'entends parce que ça perce le silence. Tu entends la voix d'Alexander qui dit à Bacon qui lui dit un truc du style je suis pas d'accord, on ne devait pas faire ça. Et vous m'aviez juré que c'était juste pour venir à Carcosa. Vous m'avez jamais parlé d'appeler le roi. Ok. Et Alexander, il recule en fait. Là, il est entre Bacon et l'estrade. Et sur l'estrade, il y a Edwards qui est en train de s'approcher de lui, d'Alexander dans son dos. Et vous avez toujours au milieu de l'estrade, cette grande silhouette de 2,50 m qui est immobile, mais avec la tête et le masque
pointée vers ce qui est en train d'apparaître au milieu des créatures. D'accord. Alors, moi, pour te dire mon état d'esprit, je suis un petit peu comme un espèce de drogué qui est. Qui cherche un peu sa came, quoi. C'est-à-dire, en gros, je suis dans un espèce de délire, en fait. J'ai l'impression d'être dans un délire, quoi. Complètement. Voilà. Comme un drogué, quoi. Pareil. Et du coup, mon intention, et je vois la solution au problème, en fait. Elle est devant moi. Et le problème, c'est. Depuis le début, c'est lui. Je me focalise dessus. C'est Bacon. Donc, du coup, je vais sortir mon flingue. Ouais. Et je vais lui tirer dans une balle dans la tête, quoi. Ok, très bien. Tu fais ça quand t'es encore à distance ou t'essayes de t'approcher? J'essaye de me rapprocher au maximum pour pas. Déjà pour éviter de tirer sur une autre personne qui passerait. Mais surtout pour me dire cette fois-ci, je vais pas louper mon coup, quoi. Alors, pour les derniers mètres, je vais te demander quand même un petit test de discrétion, puisque sur l'estrade, il y a Edwards qui est en train de regarder l'échange entre Alexander et Bacon. Et oh là là, mais t'as fait un sang, mais là ça y est, maintenant t'es parti. Tu t'es approché suffisamment. T'as fait une réussite majeure. T'es carrément à bout portant. Et ben boum, je tire, quoi. Tu tires. La décharge de ton pistolet fait un boucan pas possible, puisqu'il y avait une espèce de silence qui était tombé sur le truc. Donc il se prend la balle, ça passe, ça sort de l'autre côté, éclaboussant de sang et de cervelle Alexander Roby. Et Bacon tombe au sol, s'effondre d'un bloc. Voilà. Alexander te regarde complètement, complètement pétrifié. Qu'est-ce que tu fais? Et je lui fais, ben maintenant, tu vas venir avec moi, on va rentrer. Au moment où tu lui dis ça, il commence à avancer vers toi et tu remarques en fait que Edwards a l'air d'être paniqué sur scène et il est en train de hurler non 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 non, c'était pas fini, et il est en train de il panique complètement, et tu vois la créature qui était donc debout avec le masque, toute sa capuche et le masque s'effondrait au sol comme s'il y avait rien en dessous, et dans la fraction de seconde qui suit, les créatures qu'il y a au-dessus pousse comme si elle poussait tout un cri strident à l'unisson. Oh. Et d'ailleurs, tu vois même Emma et Anne. Alors, Emma et Anne, vous avez entendu une détonation. Surtout, Anne, toi, t'avais reculé, donc t'as pas vu ce qui s'était passé en bas exactement. T'as entendu un claquement de coups de feu. Et donc, et ce que je disais, toutes les créatures qui se mettent à hurler. Et Anne, tu vois même certaines créatures qui commencent à descendre en piqué vers la foule. J'essaye d'appeler Emma pour la mettre à l'abri avec moi. Ok. Quant à Emma, tu vas me faire un test de santé mentale. Et je te conseille de le réussir. Ça va être compliqué. Ouais, avec le chiffre que t'as, c'est moche. Ouais. Au revoir. Voilà. Ouais, loupé. Ok. Bah écoute, Emma, tu vas me. Dis-moi. Dis-moi comment tu pètes les plombs. Comment je pète les plombs? Par rapport à ce que tu vois, tu as vu plus que ce que tu aurais voulu en voir, je pense, apparaître au milieu de ces des créatures.
J'en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est suffisant pour que ça te fasse péter un câble dans la seconde. Comment tu vois ton pétage de plomb? Hop, le pétage de plomb, c'est je passe par-dessus le balcon. Ok. Je pense que Anne. Oui. Tu. Je l'attrape. Si j'ai eu le temps, je l'attrape avant qu'elle fasse ça, quoi. Et si je vois qu'elle va vers le bord, enfin, si j'arrive pas à la maîtriser, je lui colle une grosse baffe. Alors déjà, tu vas me fais-moi un petit test de Dex histoire de voir si tu réussis à l'attraper avant qu'elle ne bascule par-dessus le balcon. Ouh là, je suis pas forte en dextérité. Désolée, Emma. Ah, je vais claquer 8 points de chance. Oui, c'est bien. C'est bien, vaut mieux. Voilà. Emma, tu me disais, en fait, t'as basculé par-dessus le balcon. Pourquoi? Parce que t'étais complètement pétrifié par ce que tu voyais et tu tenais plus en place et que t'es limite à 2 doigts de t'effondrer, de t'évanouir et que c'est pour ça que t'as failli Non, passer non. par-dessus la rambarde ou. Non, j'ai voulu. En fait, j'ai voulu sauter pour aller rejoindre la bestiole, en fait. Ce que D'accord. je vois. Je sais pas ce que c'est, je vois, mais je suis attiré, j'ai envie d'y aller, quoi. Tu as toujours. Du coup, je vois pas ce qu'il y a devant moi, je saute, quoi, en fait. Ok. Donc Anne, t'as réussi à la choper juste au moment, juste avant qu'elle saute elle saute de la rambarde. Et tu Ben, vois que. j'essaye de l'entraîner. Reste sur mon idée de l'entraîner à l'abri. Et si elle veut pas, je le fais en force. Et si elle va, je lui donne une grosse claque. Ah non, non, je veux pas du tout, non. Et à part que tu Bon, t'emploies, parce ben, que non, baf. moi je suis décidé à y aller, quoi, donc. Ouais, il va falloir que tu vas être obligé d'employer la force. Ouais, j'emploie la force. Parce qu'elle Malheureusement. a tout l'air de faire une crise d'hystérie, là. Je fais comment? Alors, là pour le coup, il va falloir que tu me fasses un test de. Fais-moi un test de force. Parce que là, Emma, en fait, t'es tellement. T'es dans ta crise, je pense que je suis pas sûr que tu réussisses réellement à coordonner tous tes mouvements. J'ai un doute. Donc. Bon, ton test de J'ai force, raté. c'est un échec. Tu réussis à la maintenir avec toi, mais par contre tu ne réussis, voilà, tu luttes vraiment avec elle, tu réussis pas à reculer, t'es toujours sur le balcon. Oula, Et oui, non, mais moi je veux parce que j'ai peur des créatures. du côté de Henri, tu fais quoi quand toutes les créatures se mettent à hurler en même temps et certaines commencent à descendre? Ouais, je prends Robbie par le bras et puis je l'emmène pour éviter qu'il se fasse tuer. Et je lui dis, Ok. vas-y, suis-moi. Si tu veux vivre. Ok, tu cours. Tu cours avec Robbie. Et Anne, tu vois que tu n'arrives pas à traîner Emma derrière toi. Tu vous faites bousculer. Elle est suffisamment hystérique pour arrêter de. Enfin pour voilà pour être difficilement maîtrisable. Ouais. Tu fais quoi? Bah, quelles sont mes options? C'est-à-dire, est-ce que je sens que si. Enfin, en fait, je veux pas la lâcher, quoi. Même si j'ai très peur de ce qu'il y a dans le ciel, j'ai pas envie de la laisser tomber. Donc, je continue. J'essaye au moins d'éviter qu'elle saute parce que c'est haut, je crois, non, ce balcon. Oui, il y a 3-4 mètres. Ah, c'est pas si haut. Maintenant,
Là, le tout à l'heure, tu disais, tu pensais même lui coller des tartes. Là, telle Ouais. qu'elle est, c'est elle est mais hystérique. Et tu as l'habitude, tu as déjà géré des patients comme ça. Tu Ouais. sais que quand ils sont dans cet état-là, c'est voilà, c'est D'ailleurs, souvent c'est le meilleur moyen, c'est en fait c'est de les sédater ou. elle me tient à quel niveau là? Elle me tient comment? Je ne sais pas, tu l'attrapais comment? Comme je pouvais, mais je suis en demandé, je connais le point magique derrière le Bruce Lee là pour hop lui faire perdre connaissance derrière l'oreille. Je suis pas Je sûr. pense pas, mais Non. en fait, je veux savoir comment elle me tient, parce que si elle me tient juste légèrement, je vais essayer de la mordre pour qu'elle me lâche. Ah non, je te tiens pas que légèrement, je te tiens à fond de parce que j'ai pas envie que tu te fasses mal. Et puis Anne a déjà, ça lui est déjà arrivé de maîtriser des patients. Je pense qu'elle a l'habitude de les maîtriser suffisamment de façon à Bah, le éviter temps qu'un aussi d'être. infirmier viennent lui donner une cure quoi ou et oui j'arrive à éviter les à pressentir et à éviter les sales coups normalement. Mais ben Carcosa est un lieu et que si je fouille dans ma poche j'essaye, je me dis tout est tellement fou ici, je mets ma main dans ma poche des fois que je trouve une seringue. Avec un sédatif dedans. Donc je lâche d'une main, mais quand je suis sûre que je tiens correctement avec l'autre bras, tu vois. Fais-moi un test de chance, on sait jamais, au cas où y aurait peut-être un truc que tu aurais laissé dans ta poche. Eh ben bravo. Bravo. Eh ben, Carcosa Forever, hein. Je lui plante là où je fais ça normalement, quoi. Je sais pas si c'est dans le bras ou dans le cou ou dans le dos ou enfin quelque D'accord. part, quoi. Ok, ça marche. Autour de vous, c'est la panique totale. Toi, tu viens de lui planter la seringue. Et après quelques secondes, Emma, tu vas finir par te sentir pas très très bien. Et bon, même de toute façon, t'es dans ton délire. Et au bout d'un moment, en fait, Anne, tu te rends compte que Emma, ouais, elle là, ça y est, tu l'as enfin calmé. On Autour va de à l'abri. toi, ça hurle dans tous les sens. Des créatures se précipitent sur les gens. Ah oui. Deux ou trois fois, tu sens des liquides poisseux qui t'aspergent. Une femme qui était juste à côté de toi, il y a une énorme masse noirâtre qui lui tombe dessus, tu entends des craquements d'os et en fait la femme vient de se faire disloquer, écraser au sol par la créature. Et donc toi tu t'enfuis vers l'intérieur du bâtiment. Henri, toi de ton côté, avec Alexander Roby, tu m'as dit que vous fuyez aussi. Ah ouais, on fuit la scène. Ouais. Ça marche. Alors, quel est votre objectif? Quel est votre objectif là? Prendre un bateau. Donc retourner vers les quais. Ouais. Ça marche. Enfin, moi Anne? personnellement, c'est ce que je veux faire. Hein. Ouais. Anne, ton objectif, ce serait quoi? Survivre. Survivre? Survivre. Ok. Et avec Emma, bien sûr. Ah oui, parce que moi, j'ai aucun objectif. Oui, toi, t'es un peu haché. Ok. Alors, Henri, je vais te demander un test de. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait te faire faire? Parce que là, en gros, il va falloir que tu cours vers le. Tu cours. Là, c'est vraiment courir le plus vite possible pour sauver ta peau. C'est ça. Tu fais ça en force. Ouais. Et je pense que pour Anne,
Ouais, Anne, tu vas me... Ouais, fais-moi ça aussi en force. On va pas Donc un jet de se prendre la force. tête. Ouais, j'ai de force pour tous les deux. Non, j'y crois pas, quoi. Non, c'est pas possible. C'est un cauchemar. Alors, Putain. ce qui se passe, c'est que Henri, toi, tu cours avec Alexander, mais pour le moment, t'as pas réussi. En fait, tu vas tout de même réussir à atteindre le quai avec les bateaux, mais t'as été bousculé faut dire dans l'action. T'as été bousculé à un moment donné, tu t'es retrouvé même à moitié par terre. T'as pris des coups de pied, des trucs comme ça. Et aussi, ce qui va te faire perdre pas mal de temps, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir la femme avec qui tu as passé un bon moment tout à l'heure. Ok. Et elle est dans, et en fait, elle est au sol. Elle est au sol et il y a une créature qui a réussi à se faufiler en s'agrippant un peu au mur et au plafond en avançant comme ça. Elle s'est frayé un chemin sanglant dans la foule. Et à un moment donné, voilà, tu tombes sur le truc, tu la vois, elle est au sol, la créature s'apprête à lui foncer dessus. Donc, ce sera à voir hein, ce que toi tu veux, voilà, si tu réagis ou pas. Et du côté de Anne, bah toi tu traînes Emma, vous avez réussi à vous faufiler plus ou moins. Tu penses avoir trouvé le chemin que vous avez emprunté tout à l'heure avec Yolanda. D'ailleurs, Yolanda qui vous a suivi. Yolanda qui vous a suivi et qui vous a même indiqué, à un moment donné, tu as failli planter le chemin qui t'a indiqué la bonne route. Est-ce que, voilà, vous finissez par être à peu près à l'abri. Il y a toujours des hurlements un peu partout, des cris stridents des créatures. Mais en tout cas, là où vous êtes, aucune créature vous a suivi. Vous êtes entre guillemets tranquille. Quel est ton plan pour la suite, Anne? Eh ben, j'essaye de regarder si je peux voir Henri ou Sanford par miracle. Ça marche. Tu vas me faire un petit toc. Ok, une réussite. Ça marche. Attends, on va attendre que Henri revienne pour voir ce que lui fait. Emma, toi, t'es dans une espèce de semi, ouais, de sommeil un peu complètement chimique, hein, de toute façon. À quoi tu penses, à quoi tu penses que Emma rêve, qu'elle aurait en tête? Bah, moi, je pense qu'elle a totalement pété un fusible et qu'elle est toujours dans l'idée de rejoindre le truc qu'elle a vu dans le ciel. Au D'accord, tu final, penses. elle a pris le calmant, mais ça l'a calmé, peut-être physiquement, mais mentalement, ça l'a pas calmé, je crois. D'accord. D'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. On attend juste que Henri revienne pour enchaîner. D'ailleurs, tu m'as pas dit, parce que j'ai loupé mon jet, mais tu m'as pas dit combien j'avais perdu. On verra ça tout à l'heure. D'accord, ok. Henri, toi, tu donc t'as cette scène-là, Ouais. et en fait, ce qui se passe, c'est que d'un côté, tu vois donc cette femme avec qui tu as eu une relation tout à l'heure, qui est en danger face à une créature, mais tu t'aperçois aussi sortir d'une porte, d'une pièce. Tu aperçois Anne, Emma et ce qui semble être Jean.
avec eux. Ok. Ah, le choix cornélien. Ils sont dans quelle situation? D'un coup d'œil. Emma a l'air d'être inconsciente puisque Anne la porte plus ou moins. C'est mi-portée, mi-traînée par terre. Ok. Et de l'autre côté, est-ce que la femme est en train de se faire dévorer par la créature ou... Bah en fait, tu vois qu'elle s'est réfugiée elle s'est réfugiée dans une alcôve. Ouais. Et que la créature entre et va la coincer dedans. Ok. Elle n'aura aucune sortie. Bah, je vais l'aider. Ok. Tu veux chercher comment Bah en fait, j'attire la créature en faisant en bougeant les bras, en criant sur la créature pour éviter qu'elle aille sur elle. Ok. Anne, tu vois ça, hein, tu vois Henri faire tomber dessus dans un couloir, tu le vois en train de gesticuler devant pour attirer. Devant une créature. Quoi? Ouais, tu vois Henri qui est en train une créature qui est en train de gesticuler pour apparemment attirer une créature qui allait s'en prendre à quelqu'un. J'arrête d'avancer vers lui, alors je regarde ce qui se passe parce que moi, les créatures, j'ai peur. Ok. Alors, Malcolm dans Jurassic Park. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, ce qui se passe, Henri, c'est que tu attires effectivement l'attention de la créature, et alors qu'elle se précipitait dans ta direction. Tu entends un sifflement qui vient de derrière toi. J'ose en à fait, peine... La créature se fige devant toi et comme si elle te toisait presque comme un fauve, tu sais, qui toise sa proie et qui tourne autour ouais. d'elle. C'est à peu près ce qui se passe. Et Anne, tu vois Alexander Robbie qui a une espèce de sifflet à la bouche. Putain, c'est vrai, il a le apô. Oui, c'est la peau. Pour les contrôler, ouais. Au moment où tu te dis que ça, il les contrôle, la créature le pousse un cri strident, ouvrant la gueule vers toi et te crachant limite à la tronche un mélange de bave, de chair dévorée, de sang et d'autres. Super. Mais elle ne t'attaque pas. D'accord. Je fais des signes à la jeune femme avec qui j'ai passé un beau moment de s'éloigner, quoi. De s'enfuir. Ouais. C'est le moment de partir, quoi. Elle se fait pas prier, hein. Elle sort de l'alcôve et elle s'enfuit en courant dans le couloir opposé. Ok. Et Alexander Robbie met une main sur ton épaule, toujours en sifflant. Et il te tire en arrière, faut bouger. Ouais, bah, c'est ce que je fais, hein. T'inquiète, je vais pas rester là. Et je pense que c'est là que tu aperçois Anne et Emma qui sont derrière, hein. tu les avais vues, mais elles avaient pas bougé. Ouais, bah là je leur fais le signe de venir en fait, avec de grands gestes. Donc voilà, vous voilà tous les... Voilà tous ensemble, il vous manque toujours Sanford. Ah, il est pas là. Ouais. Bah, alors, par contre, là, je suis désolé pour ton frère, Emma. Emma, ça va? Je fais Emma, signe Henri de. Genre, je fais signe Henri. Hop, on y va, quoi. D'accord. Allez, hop, on va vers les bateaux. Très bien. Vous filez vers les bateaux. Vous rendez compte que il y a sur le lac il y a pas mal de bateaux qui sont en train de s'éloigner.
même si les créatures continuent à attaquer les gens dans le palais. Et il y a même des endroits où apparemment ça peut être pris feu ou un truc comme ça, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est la débandade totale. Je ne vais pas vous faire faire de tests supplémentaires. Vous, après un temps assez long, ce qui vous semble, vous finissez par vous approcher de l'autre côté de la rive, vers la cité elle-même, entourée par d'autres bateaux. Les gens qui s'en précipitent, qui se barrent en courant dans les rues. Vous, que faites-vous? Parce qu'en fait, en milieu de l'eau sur un bateau, est-ce que c'est pas trop dangereux par rapport aux créatures duquel? Bah, en fait, vous avez vu que les créatures s'en sont surtout prises au niveau du palais. Il y a quelques créatures qui ont attaqué les bateaux, mais vous êtes passé entre les mailles du filet. Techniquement, j'ai fait un jet de chance avec celui qui en avait le moins, et c'est passé. Je regarde Alexander, je le secoue pas, mais je prends pas les épaules, je fais. Alexander, comment on sort d'ici? Comment on sort de Cargosa? Bah, je pense, il faudrait ouvrir une. En fait, il n'y a pas 36 solutions. Soit il faut trouver un moyen d'ouvrir une porte, soit il y a la clé, c'est moi. Je pense que la clé, Vous c'est moi. pouvez ouvrir une porte. Vous pouvez faire ça sur le bateau ou il faut attendre qu'on ait accosté. Non, non, faudra faire ça au sol. On va trouver un endroit calme. Oui. Ok. Vous trouvez assez rapidement un endroit au niveau du. Quand vous avez rejoint la cité. Donc les quelques bateaux, comme je disais, hein, qui ont accosté, les gens se sont vite précipités. Et en quelques minutes, vous vous retrouvez dans des rues complètement silencieuses, sombres. Il y a toujours le ciel étoilé au-dessus de vous, mais il n'y a plus personne, il n'y a plus un bruit. Du moment que les créatures ne viennent pas dans notre direction. Pour l'instant, ça n'a pas l'air, non. Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Emma, tu vas me faire un test de santé mentale pour voir si tu vas reprendre tes esprits à peu près correctement. Lolo, c'est magique. C'est, ouais, joli. Mais non, mais je veux pas moi qu'elle reprenne ses esprits. Ouais, moi non plus, je voulais pas, mais bon. Je veux qu'elle reste sédate. En fait, ce qui se passe, c'est que Emma, tu vas commencer à te réveiller avec la bouche pâteuse, un mal de crâne pas possible et un goût de vomi dans la bouche. Tu sais, t'arrives pas à savoir ce qui s'est passé presque au cours des dernières heures. T'as l'impression qu'il y a eu quelque chose de pas bon du tout, sans que t'arrives à savoir quoi. C'est tout? J'ai pas d'envie morbide ou quoi que ce soit? Non. Non? Non, non, tu ressens un profond malaise, comme si t'avais une espèce de nausée, migraine, ça physiquement oui, t'as des courbatures de partout,
mais t'as une espèce de sensation de quelque chose qui s'est passé quelque chose de mauvais là au cours des dernières heures, mais t'arrives quand t'essayes de d'y réfléchir. D'ailleurs, tu te réveilles, t'es il y a Henri, Anne, Robbie, il y a pas Sanford. Vous êtes dans une ruelle, il fait sombre, il n'y a pas un seul bruit. Ah, tu te réveilles à ce moment-là. On est où? T'inquiète, Emma, on est sauvés. Intercousa. Il s'est passé quoi? Ouais, c'est compliqué. La pièce de théâtre a rendu tout le monde fou. Mais je vois que vous êtes là, mais Sainte-Forme, il est où? Je mets une main Garde à vue. sur l'épaule d'Emma, je fais, je suis désolé, mais on l'a pas retrouvé à Sanford. Mais vous l'avez même pas vu, aperçu? On l'a perdu. Je jette un regard à Alexander. Et vous? Vous l'avez vu? Non, 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 je l'ai perdu dans la foule. Écoutez, si il ne faut pas trop tarder, si on veut retourner, si on veut s'en aller, il faut ouvrir une porte. Allons-y. Moi, je peux pas, moi. On va partir sur un Sanford. L'endroit. Combien de temps le portail va rester ouvert, Alexander? En fait, ça dépend. Si on ouvre une porte, ça restera ouvert peut-être quelques heures. Il y a une seconde solution qui pourrait être beaucoup plus rapide et enfin, qui pourrait être beaucoup plus rapide. Mais quoi? Mais qui va demander qui va avoir un coup. Allez-y, allez droit au but. Quoi? Et qui va dire combien de temps ensuite? Je pense pouvoir vous ramener, vous renvoyer chez vous. Mais en faisant ça, je ne pourrai pas repartir. Non, bah, je suis pas d'accord, vous venez avec nous. Si je fais en sorte de vous renvoyer, je pourrais peut-être renvoyer votre frère. Si on ouvre une porte, si votre frère ne trouve pas la porte, il ne pourra pas sortir. Bah, faut que quelqu'un le recherche, oui, mais si on a quelques heures, c'est peut-être faisable. Je ne suis pas sûr que nous ayons quelques heures. Edward m'a. Je me rends compte que lui et Bacon m'ont, depuis le début, m'ont manipulé. Ils ont. Ah, c'est bien, vous vous en rendez compte. Vous, Alexander, vous faites des grands progrès. Ils m'ont toujours dit que ils voulaient aller à Carcosa. Et sauf que leur but véritable derrière tout ça, c'était d'appeler le roi. Ils lui Et ça. veulent du mal. Non, au contraire. Ils voulaient lui offrir notre monde en cadeau. D'accord. À partir, si Carcosa se manifeste dans notre monde disparaîtra au profit de Carcosa. Là, je regarde Alexander, je fais, mais Alexander, est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec votre père et votre sœur? J'ai fait une erreur.
Laurence m'avait prêté un livre, il m'avait un livre contenant des rituels. Et il m'avait donné un sifflet, comme celui-ci. J'ai voulu essayer, mais je n'étais pas prêt. J'ai appelé une créature, mais je n'ai pas, je n'ai, ça a dégénéré, je n'ai pas réussi à la contrôler. Et il est arrivé ensuite ce qui, le drame. Désolée. Mais en aucun cas, je n'ai jamais, jamais voulu que le, j'ai jamais voulu que le roi arrive. Si le roi se manifeste, s'il est appelé, il fera venir Carcosa et Carcosa absorbera notre monde entier. Moi, tout ce que j'ai toujours Parce voulu, que ça, c'était c'est... juste venir ici, c'est tout. Je ne voulais pas appeler le roi. Et je sais Mais que nous le... sommes bien à Carcosa, là, non? Oui, mais Carcosa n'est pas encore, Carcosa n'est pas encore, ne s'est pas encore matérialisée sur Terre. Elle est ancrée, il y a un point d'ancrage au Loch Mulardoch, mais elle n'y est pas encore apparue totalement. C'est un peu comme un bateau qui jette l'ancre, c'est D'accord, ça. donc il faut fermer la porte qui a à Mulardoc. À Mulardoc. Bah, faut surtout pas faire venir le roi, quoi. Ben, c'est ça, mais je crois que peut-être qu'en tirant en fait dans la tête de Bacon, c'est moi qui ai interrompu en fait le rituel. En plus, Bacon et Edward n'étaient pas le seul. Quarry aussi voulait Et faire venir le roi. tu crois qu'ils peuvent recommencer? J'ai entendu une conversation entre Edward et Bacon. Bacon se moquait de Quarry et de son délire sur son, il appelait ça son voyage initiatique tibétain. D'accord. Je n'ai pas compris de quoi il parlait exactement, mais lorsqu'il parlait du roi, ils se sont moqués ouvertement de Quarry. En disant que c'était un abruti, qu'ils se trompaient, qu'ils étaient sûrs que le roi se manifesterait bel et bien au Loch Mulardoch. D'accord. Vous commencez à entendre des cris de créatures qui commencent à s'approcher. Ouais, il va falloir faire vite, hein. Semble. Je crois qu'on ne va pas avoir le temps d'aller chercher Stanford. On peut discuter entre nous? Allez-y, mais comme je vous l'ai dit, si on ouvre une porte, si votre frère ne trouve pas la porte, il sera coincé ici. J'ai une autre solution, je peux vous renvoyer de l'autre côté, mais par contre, moi, je devrais rester ici. Et même si vous ouvrez une deuxième porte après pour amener Sanford, vous pourrez pas aller avec lui. Je ne sais pas. Encore faudrait-il que je le trouve. Ça veut dire on doit choisir entre Sanford et Robbie. Tu vois qu'il dit rien, il acquiesce même pas, mais tu lis dans son regard que c'est un peu la question qui se pose. Et en fait, est-ce qu'on pourrait pas aller tous à la recherche de Sanford et repartir ensuite avec Alexander aussi? C'est trop dangereux. Toutes les créatures sont là-bas. Bah ouais, mais là, je trouve... Ah, si ça se trouve, il s'est déjà fait bouffer. Oui.
Je dis ça tout doucement près de Henri pour que Emma n'entende pas. Je pense que y aller tous ensemble là-bas, ce serait tous nous sacrifier pour rien. Donc là, il propose de sacrifier Alexander. Oui. Pour rien. Ben non, pas pour rien, parce qu'apparemment il a la possibilité de nous faire revenir là-bas, et que probablement Sanford aussi. Oui, mais il a la possibilité de nous faire revenir. Il peut aussi. Je veux dire, parce que, en fait, il faut que je choisisse soit c'est lui qui vient avec nous. Ou soit c'est Sanford. Et là, c'est sûr. Et là, c'est sûr, parce que lui, il est là. Ça, c'est Sanford, dont on n'a aucune nouvelle, quoi. Soit on va tous essayer de récupérer Sanford. Non. Là, je suis pas d'accord. Si on va tous récupérer Sanford, on va tous crever, quoi. On va tous y rester. Ouais. D'un côté, il faut choisir entre laisser Sanford ici ou emmener Alexander. Et enfin, j'ai pas envie de laisser Sanford et d'un autre côté, j'ai pas envie de laisser Alexander non plus. Ah non, mais c'est C'est pas à lui de se sacrifier. malheureusement, ça va être ce choix-là qu'on doit faire. Bah non, on peut aussi emmener Alexander avec nous. Et Mais revenir plus tard chercher Sanford, je ne sais pas. on n'aura pas le temps. Est-ce qu'on peut revenir plus tard, Alexander? Le seul moyen de rouvrir, de refaire venir Carcosa, ce sera de refaire un rituel avec les 9 pierres à un autre endroit. Ah, ça va être compliqué. Ça peut prendre 1 an, 2 ans avant que les étoiles soient dans la bonne position. Est-ce que vous voulez dire qu'une fois qu'on aura quitté le Carcosa va s'en aller? Si je vous renvoie de l'autre côté, c'est moi qui suis la clé qui ai fait venir Carcosa. Je peux la renvoyer. Ça, c'est sûr. Et vous, Alexander, qu'est-ce que vous désirez? Vous avez vu ce qui est en train de se passer? Vous avez vu les créatures qui sont en train de se déchaîner? Si on maintient l'ancre au Loch Mulardoch, tôt ou tard, elles finiront par trouver un moyen de sortir et de passer d'un monde à l'autre. Si je ferme le portail, si je vous renvoie là-bas, que je fais ce qu'il faut, je les coincerai ici avec moi. Donc vous voulez rester? Si je retourne dans votre monde, qu'est-ce qui va se passer? Je vais retourner à l'asile. Je vais finir par crever dans une pièce capitonnée, à me baver dessus, à prendre des médicaments jusqu'à la fin de mes jours. J'avoue que c'est pas spécialement l'avenir qui m'enchante le plus. Je le regarde et puis je lui fais. Désolé. Je lui dis, vous savez, tu sais, Alexander, je t'ai missionné par ton frère pour venir te retrouver, te rechercher, te ramener. Sache que ton frère t'aime. Ben, si vous le revoyez, vous pourrez lui dire la même chose de ma part. Je transmettrai, je lui dirai.
Robbie se lève. Donc vous êtes toujours dans la rue. Comme je vous disais, on commence à entendre des battements d'ailes qui s'approchent de plus en plus. Vous avez entendu aussi quelques fracas. Apparemment, certaines créatures sont en train de s'attaquer peut-être à des personnes qui sont encore dans les rues. Il y a quelques cris, quelques hurlements. Est-ce que il va falloir que vous pensiez, à votre ami disparu? Et je vais avoir besoin de votre arme. De mon arme? Ouais. Je tends mon arme. Et s'il vous plaît, détruisez le, faites ce que vous pouvez pour détruire le cercle de pierre du Loch Mulardoch. On le fera. Et je ne sais pas si. J'espère que Quarry ne fera pas, n'est pas sur la bonne voie. Lui aussi il souhaitait faire venir le roi. Il souhaitait faire venir le roi. Qu'il a abandonné son projet. Mais je l'espère pour lui. En tout cas, j'y verrai. Il vous demande de. Il s'éloigne de vous. Pensez à votre ami disparu. Ouais, je pense à Sandford. À des moments où on. De beuverie ensemble, voilà. Vous me faites tous les trois un test de pouvoir. Ah ah! Pouvoir. Ah bah oui. Wow. Oh là là. Bah, 74 pour moi. Okay. Ah, super! Salut Sanford, ouais. Désolé, on est bien. On a tous soupé nos. Ah non, c'était ici, Emma a réussi. Non, il y a écrit échec, non? Non, c'est échec. Emma l'a raté aussi. Ouais. Ah oui, je regarde test de santé mentale, forcément. Test de pouvoir. Mmh. On a tous soupé. Oh putain. Puis bien loupé, quoi. Bon, après. Si vous voulez dépenser des points de chance pour Anne. Bah, j'en ai pas assez. Bah, moi, il me le propose même pas, tu vois. Donc, moi, je peux. Et que Emma qui. J'en dépense 13. Ouais. Oui, j'en dépense 13. Ça marche. Et alors que vous pensez. Alors que vous pensez à Sanford, vous voyez Robbie avec qui vous adresse un sourire un peu triste, et vous le voyez coller le canon du pistolet de Henri sur sa tempe. Ah, c'est comme ça qu'il sort du problème en fait. Bah, il va pas nous retrouver Sanford. Nous non plus, je crois qu'on s'est fait avoir. Bah, je fais un geste de la main vers lui pour lui dire mais stop, arrête. Il en fait, il presse la détente et dans la fraction de seconde qui suit, pour vous c'est le trou noir. Pendant quelques secondes, vous avez l'impression de tomber pendant quelques secondes. Jusqu'à ce que ce soit le trou noir complet. Alors, soit on s'arrête là-dessus et on reprendra. Ouais, moi je veux bien parce que ouais. Je vais m'endormir. Ouais, et il faut qu'on n'avance pas trop non plus parce que comme Pazo il est pas là. Mais ouais, le trou noir ça me paraît bien.
Faut s'arrêter. Donc, ouais. Donc, voilà. C'est blackout pour vous, pour le moment, sans savoir si tout ça, ça a fonctionné ou pas. Ouais. C'est ça bien prochaine. Comme ça, ça fait du suspense. Ouais. Puis comme ça, Pazo, s'il écoute, va flipper un peu, si, ça lui apprendra. Non, il nous rejoindra samedi pour discuter pour le E-Crime. Là, il vient m'envoyer un message, il était vraiment désolé d'avoir dû nous lâcher comme ça, mais... pas de soucis, hein. J'imagine que c'était impératif. Moi, je m'endors bien, moi, alors tu sais, hein. Ouais, non, mais bon. Je peux rien dire, hein. Moi, je peux rien dire. Hein. Ok. Bah, du coup, j'espère que ça a été pour vous. C'est Alors, très strange, hein, quand même. Très bizarre, cette session. Mais il y a des bons moments. Ouais. Bon, moi, je pensais que j'allais crever, hein, mais bon. Franchement, non, ouais, j'ai cru qu'on allait tous y rester, hein, perso, quand c'est. Quand tu nous as fait tous vous séparer les uns les autres, j'ai dit, oh putain, c'est mal barré, là. Ouais, mais vous inquiétez pas, t'inquiète pas, Emma, je ne vais pas t'oublier pour la suite. Ah ouais, non, mais tu sais, moi, j'étais prête, hein, prête à mourir, hein, c'était parti pour ça, là, pour moi. Ouais, non, mais t'inquiète. C'était dans le... c'était ça, hein, en fait. Après, pour mon personnage... J'ai bien vu que t'étais un suicidaire, ouais. Après, apparemment, pour ça, je sais pas ce que j'ai vu, mais bon. Ouais. Mais j'ai même pas perdu de santé mentale. J'avoue si, t'inquiète. Pour des passages comme ça, mon personnage ayant peu en santé mentale se laisse aller très rapidement dans les limbes ou dans des conneries pareilles, quoi, tu vois. Parce que je suis proche de. Pas proche de la folie, mais je m'en rapproche petit à petit quand même. Hein. Ouais, donc quand j'ai des commandes et effectivement des choses comme ça qui arrivent, forcément, ben, mon personnage se laisse aller et voilà, comme un drogué. Non, mais j'ai trouvé ça vachement cool. Et puis le fait que vous soyez séparés et tout, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que c'est toute une partie du scénario qui est pas... Voilà, qui est... C'est plus dirigiste que d'autres moments. D'accord. Ça, c'est un peu, je trouve ça un peu dommage, quoi, mais après, sincèrement, vous auriez pu ne pas aller à la pièce de théâtre. Ah non, mais moi, depuis le début, je le dis, de toute façon, qu'il faut retourner à Mulhardock pour fermer le portail, mais bon. Oui, mais comme tu sais pas nous dire où c'est Mulhardock, c'est difficile. De là où, de l'intérieur, enfin de Carcosa, vous n'aviez aucun moyen de retourner à Mulhardock. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est qu'on était... Ben, pourtant, on n'était pas censé déjà être dans Carcosa. Vous étiez à Carcosa, mais vous n'aviez aucun moyen d'aller physiquement à Mulhardock. Même à pied. Et vous n'aviez aucun moyen de retrouver le portail de Mulhardock. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est que... Donc, il fallait le fermer la première fois qu'on l'a rencontré. C'est ça, ben oui, mais ça, voilà. On pouvait pas trop il aurait fallu soit le fermer, ou alors... Et ça, c'est... Voilà, je le dis maintenant, mais c'est pas... Parce que je voulais pas non plus que ça ait l'air de... Ah tiens, regarde, c'est comme ça, c'est par là qu'il faut aller. Je rappelle juste que l'un d'entre vous a lu et a appris... un sortilège qui permet d'ouvrir une porte temporaire vers entre votre monde et Carcosa. Alors, ouais. Emma. Ouais, mais ça, moi, je suis ça pas aurait au courant, hein. Ça aurait servi quand tu aurais pu là tu aurais pu t'en servir. Oui, là maintenant. Pour mais là, rentrer, là ouais. À ce moment précis du scénario, là je suis pas en état de faire un portail. Alors... Là, je veux retrouver Saint-Port, ah, mais... donc non, je suis pas prêt à partir. Quand on n'arrêtait pas de tourner en rond pour dire comment on peut rentrer. Mais il n'y avait aucun intérêt. Hein. C'est vers Carcosa. Je ne peux pas faire un portail pour retourner vers chez nous. Si, tu peux ouvrir un portail. Mais en fait, le portail que tu peux ouvrir, il est dans un seul sens. C'est, si tu es à Carcosa, tu peux faire un portail vers
Vers chez nous. Vers chez vous. Ouais. Ou si t'es, si t'es chez toi, tu peux faire un portail vers Carcosa. Ah, ben ça, je savais pas le détail, tu vois. C'est que dans un sens. Moi, je pensais que c'était que vers Carcosa. Ah, bah, je me suis mal exprimé. Parce que il me semblait l'avoir dit quand on avait parlé des sorts. Bon, ben, c'est de ma faute. Mais, je l'aurais pas utilisé quand même. Hein. Dans l'état où j'étais là, sur cette partie-là, non, jamais de la vie. Ouais. Donc, sinon, ça servait à rien, en fait. Ça servait à rien quand même. Voilà.